Et re pour cette dernière partie de stream pour ce soir sur Skyrim. Non. Merde. Voilà. Merde. Merde, sac, sac. Voilà. Excusez-moi, j'avais parmi le son. Donc. Où elle est? Putain, elle est là-bas. Donc évidemment, à la fin, vous avez eu Harry Partridge et Dan Boole qui travaillaient ensemble. J'ai mis le remix de Dan Boole. J'avais la version de Dan Boole cette fois-ci, avec le côté un peu Harry Pants Erection, avec, qu'on appelle ça, le remix un peu dubstep. Et sinon, la version d'Harry Partridge avec le vrai thème. Bien le bonjour à vous, camarades. Puissiez-vous rencontrer la mort. Tenez. Oh oui. Vous pourriez faire quelque chose pour moi. Pour nous tous, ici. Notre village tient dans un mouchoir de poche, mais nous travaillons dur pour ne dépendre de personne. Traverser la rivière en direction du nord, c'est mon moulin. Certains croient que je possède... Et par mat... Alvor peut vous aider, c'est notre forgeron. Mais il est où l'autre? Attendez. À la prochaine. Attendez, on est d'accord qu'il faut que je lui parle? Oui, mais sa frangine devrait pouvoir m'aider, mais elle m'a déjà aidé. Je possède la Syrie, et je paye... Bien sûr. Vous pourriez faire quelque chose pour moi. Attendez. Je crois qu'il faut que je revienne en arrière pour aller chercher Ralof. J'ai oublié d'aller lui parler, je crois. Bob finira jamais Skyrim. Depuis le temps, j'étais là lors de son premier let's play, j'étais là. On était beaucoup à être présents. Ta ta ta. Bon. De toute façon, c'est le premier stream dessus. L'idée est de se bouger le cul. Mais bon, c'est la première, donc on s'en fout. De toute façon, on va être ensemble au moins pour... au moins jusqu'à janvier, je pense, en termes de stream. On va faire un peu moins d'une vingtaine d'heures. Mais j'aimerais bien aller choper Ralof pour qu'il vienne avec moi. Parce que je pense que si j'ai pas Ralof, je suis mort, en fait. Du moins, je peux pas continuer. Et j'aimerais bien follow up un petit peu le truc. Donc on va se faire chier à aller chercher Ralof. Ralouf. C'est ça, il arrêtera Skyrim quand TES6 sortira, où il nous amènera une fin épique. Mais non, on a dépassé les 400. En plus, il y a des soucis, je crois, jusqu'à maintenant. Des petits soucis d'optimisation avec ces 257 mods. Bon, Ralof. Demande à Findel. Ah non, je demande pas à Findal. Je demande pas à Findal. Ah, c'est bon, la quête à la con avec l'autre, tout le monde amoureux, mais blablabla, on est des raclures. Un lapin, vite! Tuez le lapin! Un autre lapin! Non, un renard. Je ne sais plus. Un renard. Donc juste voir si Rolaf il est toujours là. What? Que se passe-t-il? La famille a désapprouvé ma décision. La Légion cherche toujours des guerriers forts. Restez sur vos gardes. Si vous pensez avant, il... Je vais vous tabasser, vous, hein. Bref. Non! Non! Pas la Légion. Bah, attendez, je suis où, là? Oui, oui, cool. Ah, mais j'étais déjà Elgen, là, d'accord. Bah oui, on est d'accord, Ralof est déjà arrivé dans ces cas-là. Bon, vous savez quoi? Voyage rapide. Ah oui, il faut que j'aille chez elle. Faut que j'aille chez elle en fait, voilà, ça s'est mis à jour. Ta ta ta. Mais laisse-moi sauter au-dessus de la barrière. Caillou, saut. Allez. Maison d'Oder et... Vous cherchez quelque chose? Gertrude Rueghel. Je possède la Syrie et je paie bien. Si vous cherchez du travail, allez voir vous mon mari. Vous avez dit que ma sœur nous aidera. Quoi?
Nous avons eu de la chance qu'il ait attaqué, n'est-ce pas? Vous l'ignorez vraiment? Ouais, le chef de notre... Je faisais partie... Bon, du blabla nul. Je pensais qu'il nous emmenait aussi... Rien du tout. Pour aller vers le nord. Le Jarl Balgruuf n'a pas encore officiellement choisi son camp. Mon seul problème, c'est que la... Bien sûr. Vous pourriez faire quelque chose pour moi. Je vais me reposer un peu avant de partir pour Vendôme. Très bien. Au moins cette maudite... Ah, j'ai du petit bois à vendre. Oh oui. Je vole tout. Non. Potion de vigueur, de l'or. De l'or, monseigneur. Auparavant, on utilisait le bois pour construire. Ou pour se meubler. Les soldats en achètent la totalité. La seule idée que mon bois serve à fabriquer des armes me rend malade. Rien ne sert de ressasser les choses face auxquelles on est impuissant. J'ai trop à faire. Je peux vous aider? Non? Bon bah nique hein. Ouais. À manger. Du lapin. Du faisan. On va faire un peu de mixing. Oh, des soupes de légumes bien sûr. Bon, vous savez quoi? On va prendre encore un peu de pain. Ceci, une meule de fromage. Potion, non, nourriture, non, divers. Assiette en bois. Non, R. Ok, ingrédients, on s'en fout. Nourriture, on s'en fout. Pour les potions, ouais. Ingrédients, pff, on va garder. Allez, salut, hein. Donc maintenant. Alors là ça va être le meilleur moment. Parce que normalement en objet 364, yes. Mais surtout, c'est l'heure de faire les courses. Bonjour. Bonjour. Où sont les langues? Oh oui, oh oui. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. On attend qu'il soit 10h demain. La la la, la la la, la 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 la. On attend que les gens se réveillent et on achète. Car nous ne sommes pas qu'une raclure, on est aussi un petit peu un acheteur paysan. Qui c'est qui me voit? Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, dégage. Mais non, mais il est chiant, bon allez. Dites-moi ce qu'il vous faut. Parismir, si c'est simple, vous êtes à la recherche d'une nouvelle lame? Je peux pas lui parler? Vas-y. Le fer ou... Je peux vous forger un marteau de guerre capable d'écraser le crâne d'un géant comme une coquille. Vas-y, avance. Faut qu'on te parle à faire, là. Je peux vous aider? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Mieux en matière d'armes. On dirait du Black M, bien sûr. Dague d'acier, hache de fer, hache impériale, hache de bûcheron. Et moi je vais t'acheter l'âge d'armes d'acier, oui. Bonne journée. Maintenant, on va utiliser la meule. Pas mal du tout. Travail d'apprenti, mais sérieux. Oh, il a pas fini non plus avec les DLC. Au niveau de la tenue. Continuez. Ah non. C'est ici. Ah mais le chevalet de tannage, oui. Non. Bah merde, comment on augmente le stuff? Fais-moi la forge. Bon, c'est pas grave. Objet. Arme.
Évidemment. Tenue. Oui. Et puis... Voilà. On est prêt à partir à l'aventure. Ça va, bat les couilles, on se barre. On va aller chercher la griffe et... Tout ce qu'il faut, on va commencer à travailler. Là, je suis toujours niveau 1. Ah, c'est bon, Drus. Il est pas beau? Oh, il est beau, mon Drus. Il est beau. Alors, c'est... Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais on s'en fout un petit peu. Ah merde, donc oui, c'est par là. Voilà. Et on est parti pour courir. Prends le mode pour les caps. Oui, peut-être. Mais je vais pas prendre de mode, en fait. J'aime bien comme ça. Meilleur chanteur est comme Chris Evans. Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Eh bien, loup des bois. Reviens! Tu es mort. Le Talmor. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce soir après moi, donc de 21h à 23h, vous retrouvez celle d'elle pour un petit jeu indé. Pour ces jeux indépendants, normalement. Et après, Molfried, comme d'habitude, là jusqu'à 5h du matin, voire 6h, prêt à vous ambiancer sur ce que vous voulez. Moi, bon, ce qu'il veut. Et puis voilà. Ta-ta-ta. C'est par là. Il fait un peu froid. Ah oui! Je me souviens. Je viens de me souvenir tout d'un coup où on allait. Où allons-nous? Non, il y a des mecs là-haut, j'aurais aimé aller en furtif, mais... Attendez. Le son, on s'en fout. Le cri de guerre. Ah mais oui, le cri de guerre, je suis obligé de le mettre en favori. Je suis obligé de mettre le cri de guerre en favori. Parce que c'est un cri de guerre. Oh oui! Coup de tête, pas les gueules! Qu'est-ce qu'il a le bandit? Ouais, bouclier, on s'en fout. Elle est où elle? Ah bah elle est tombée, attendez. De l'or, couronne de cuivre ornée d'un onyx, je prends. Demande à la carte, c'est ça. Lui il avait un espadon, mais on s'en fout. Car nous avons une belle hache, raffinée. De l'or, monseigneur. Non, je ne prends pas leur stuff. Décapitation. Je ne prends pas leur stuff, je suis un homme respectable. Ici, il n'y a rien, et normalement en haut, il y a peut-être un coffre qui traîne. Ah oui, coffre. Ok, anneau d'argent, ça vaut du pognon, l'armure de fer aussi. Ah oui, s'il n'y avait pas un move pour le lancer, pour le soulever, ouais. Ou même un... De toute façon, je te le dis, hein, cool lézard. À un moment donné, je crois que je vais me faire chier. Même s'il faut, je cherche un mode pour. Mais obligatoirement, on devra avoir Snaga. Hein. On devra avoir Snaga dans le coin. Bon. Eh bien, on va attaquer... on va commencer le premier donjon du jeu. Le premier vrai donjon, les tertres des chutes tourmentées. Mais on va voir pour les modes pour avoir Snaga, hein, c'est pas possible. On joue Drus, on jouerait Skill Ganon, faudrait un mode pour avoir les épées nuit et de jour, bref. Ah! Des clodos! Vous trancherez la
Ouais, quoi, tu vas me trancher la tête d'où? J'ai hâte de voir ce coup. Je suis pas là, c'est pas moi. Par contre, y a pas la musique. Faudrait que, par contre, un mode pour qu'on ait la musique des combats. Qu'on ait une musique de combat. What? Ça a failli commencer, ça s'est pas commencé. Oh. Bah tiens, t'es morte. De l'or. Non. Elle se fout de ma gueule, elle. Et juste avoir une petite musique épique. Bref, juste pour. Pas pour améliorer le gameplay en soi, mais pour améliorer l'ambiance. De la bière, un crochet, de l'or, et le reste, tu te démerdes. Ta 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 ta. Je suis pas encore level 2, c'est fou. M'en fous, de toute façon, première augmentation, l'endurance ou l'attaque. Bonne chou. Là, on y va discrètement. Et en fait, j'étais trop con, j'ai déjà utilisé le. Le cri face aux drogués, face aux mecs au début, alors j'aurais pu le garder pour les drogueurs. On va se cacher, se cacher. Parce que Drus, bien qu'il tue des gens, reste malgré tout quelqu'un d'assez furtif. Il connaît la stratégie. Et encore coup de tête. Non, je suis pas encore à la Blanche Rive. De l'or, monseigneur. Déverrouiller le coffre. Merde. Non, je suis pas encore à la Blanche Rive. Mais j'ai pas besoin d'y aller tout de suite. Ici, je crois pas qu'il y ait... Ah si, les mecs là-bas, ils avaient peut-être des trucs. Banri. Mystique. Ah, Drus c'est énervé, ouais. Je fous des beignes. Salut Moa. Ah, Moa qui a la modération maintenant. Je fous des beignes. La petite urne funéraire. Double rune funéraire vide. C'est pas encore les drogueurs ici. Apparemment, il y a un autre qui fait ce que. Il s'appelle Dolph Pinewood Lodge. C'est quoi en fait le principe Cool Lézard? Ça permet de. Tuer. De mettre de la musique pendant les combats? Si c'est le cas, ça me va bien. Oh oui. Quelle bonne surprise. De l'or. Et le reste, on s'en fout. Bon. Snaga et l'armure de Drus, sérieusement? Ok. Niveau suivant, sortir. Donc une amélioration évidemment en santé. Et premier niveau, premier atout augmenté, c'est évidemment... On est en armure lourde, alors est-ce qu'il paraît? Les deux mains, déjà niveau 28. Et évidemment on prendra la version... Blessure brise-crâne, non, les attaques à la grande épée. On prendra évidemment broyeuse. Avec position du champion derrière, bref. Alors, ah oui, c'est vrai que c'est double serpent, saloperie. Merde. Double serpent baleine. Ta ta ta. Ta ta ta. On a ouvert le truc. Il y a une petite potion de soin là-bas. Potion de soin léger. Ah, il est Ragnar. Ta-ta-ta-li-da-li-ra. Suivant. Voilà, ça c'est fait.
Ah, si à ça, coup de lézard, je le garde pour à l'occasion, hein, parce que là, on aurait vraiment le vrai build et tout. Lire voleur. Ah merde, j'ai pris le voleur. Bon, bah j'ai lu, hein. Après, on peut apprendre sur la capacité sans l'utiliser automatiquement. Gros gameplay, évidemment. Parchemin, on peut toujours les utiliser. Les poisons, on peut les utiliser. Je vous dis, après, on est bourrin, mais bourrin intelligent. Oh non! Oh non! Et la grosse? J'ai horreur de ça, je vous le jure. Merde! Ah, il meurt. Coucou. Vous avez réussi. Vous l'avez tué. Où est la griffe d'or? Oui, la griffe. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez par le saint sou. Toi, viens ici. Elle se détend. Je le sens. Et voilà, on l'a battu. Il a la fameuse griffe avec son journal nul. Bourrin intelligent, c'est ça. Eh, vous avez vu? Déjà niveau 2, merveilleux. Donc un peu d'endurance. On va continuer, gros dégâts dès le début. De l'or, monseigneur. Il nous faut plus d'or. Prêt à partir. C'est ça à taper. Ah non, mais avoir Drus, avoir le stuff de Drus du moins. Ne serait-ce que même juste pour le skin, mais foi. Je vous le dis 107 fois, hein, c'est craqué. Ah. Allons-y, let's go. C'est parti les drogueurs. Waouh, 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 waouh. Son armure, son armure en fait, elle a. C'est une armure. Travail terminé. Encore du travail? Si vous le voulez vraiment. En fait, l'armure de Drus, elle ressemble. Elle est décrite dans les bouquins, je l'ai plus en tête là, je vous avoue. Mais elle est craquée comme armure. Ah, ça manque de Fushroda, mais c'est le début. Bah tiens, cool lézard, si t'es encore dans le coin, évidemment. Elle ressemble à quoi à peu près pour toi, l'armure de Drus? Du moins. Wouah! Comme c'est évident. Ah, if you are successful, which is to be long. Legendary Hero Drus Zaxman. Black and Silver, ok. Donc du cuir blanc et argenté. Et sa hache Snaga. Bah voilà, il m'a filé directement en partie la description. J'ai te permis, cool. Merde. Bon, j'ai fait le con, évidemment. Un peu de bouffe. De la bière, toujours. Je suis un connard, voilà. J'ai une super soupe de légumes, mais voilà. Moi lui, c'est réglé. Ouh, armure à bande, hein. On prend l'armure à bande. Parce que regardez maintenant, armure. Non, armure. Et là, on est encore plus stylé. Ah!
Allez, décapitation. Non, même pas. Alors, un peu d'or. Une hache nordique antique. Non, ça vaut pas mieux. Lingot d'oricalque. Attendez. Faut que j'aille voir à quoi ça ressemble. Ouais. M'en fous. Black Aaron, Droger, Droger and World, Ebony Ippon, Arkan, Skyrim Face, Skyrim Nords. Non, mais c'est écrit où? Ah oui, Armor Sets. Ah. D'accord. Intéressant. Donc la cape avec l'armure de Driss. Comment ça, on a vraiment l'armure qui est indiquée là-dessus? Non. Attendez, curiosité man. Curiosité man, man, man. Ah! Ça serait ça l'armure? Non. Non, ça c'est un marteau. Bof, je... ouais. C'est pas vraiment Snaggle, hein, si c'était ça, bref, pas grave. Allez, plus que 3 minutes les gens, après on s'arrêtera là. Coucou. Et maintenant regardez. Je m'échappe en courant. Voilà, ça s'est fait, un peu d'or. C'est Razor Sidaf qui se réveille. Une petite potion de soins légère. Un peu de nourriture et tout va bien. Voilà, bonne soirée, cool lézard, à plus. Merci d'être passé, des bisous. Alors on en est où là? On est bientôt arrivé. Niveau 3. Alors il est 53. Ah oui. C'est tout? Il y avait juste lui, hache d'armes nordique antique. Ah, c'est les meilleurs que l'arme que j'ai actuellement. Ah non, elle est plus pourrie. Dégage. Dans le coffre, il y a de l'or. Il n'y a pas d'autre piège. Et donc, mes chers amis, nous allons donc nous arrêter ici. Ok, ciao ABF. Je vais faire ma petite sauvegarde nulle. Re-sauvegarde nulle au cas où. On va retourner au bureau. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, car tout de suite, juste après, Seldel est là. Donc 5 minutes de pause. Bonne soirée à tous. On se retrouve mercredi sur cette chaîne de 21h à 23h pour World of Massy Multi. Et sinon, sur la chaîne perso. Ça, après, vous avez Twitter, vous avez Twitch. Démerdez-vous. Voilà, des bisous à tous. Je ne sais pas encore ce que je fais mercredi, évidemment. C'est toujours le suspense. Et puis, bonne soirée encore à tous. Et... on est parti pour quelques lundis à se faire un Drus no Mutekida pour taper du méchant. Allez, ciao tout le monde.